Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog it103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu The Close to the Sun, ici présent, qui nous a été offert sur l'Epic Game Store. Nous sommes quelque part dans un bateau, toujours le bateau Helios, le bateau de Tesla. Et dit comme ça fait un peu bizarre si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Très bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, la rediff YouTube sera toujours dans le bloc, normalement. C'est les rediff YouTube seulement que je coupe. Je coupe l'enregistrement et je le relance sur OBS. Ok, nous avons coupé le courant, on va pouvoir avancer. J'espère que Ludwig est bel et bien mort. Midi qui nous a vus à la soirée. Peut-être qu'on va vraiment remonter le temps. Toujours rien? Non, rien. Attendez, maintenant Aubrey, maintenant! Oh, c'est le pont 66. Prochain point à l'ordre du jour, vous amenez à l'ascenseur. Formidable, Aubrey. Merci encore pour tout. Je viens tenir ma promesse. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Oh, attendez, je m'occupe des portes. Il a un doublage très réussi. Il est tellement malaisant. Ah bah tiens, encore un petit truc là. Un de ses logos verts. Ah, oh, bordel de Dieu. Qui est-il? C'est... Oh, dégoûtant. Il y a le corps d'un homme crucifié dans l'ascenseur. Vous pourriez m'envoyer un autre ascenseur? Je préférerais éviter. C'est le seul... C'est le seul ascenseur, Rose. Je déteste cet endroit. Je déteste tellement cet endroit. Inspirez. Expirez. Merci de faire ça, Rose. Ouais. Hop. Il reste quasiment plus rien mon tacos. Chut, tu vas voir, ne révèle pas tous mes secrets. Chapitre 7, le conflit des risques. Des risques. Est-ce que c'est pas que des noms de divinités? J'ai quelque chose à vous avouer. Ah. Je vous ai dit que j'avais une famille. Mais ce n'est pas le cas, c'était un mensonge. Je suis un menteur, Rose. Je suis désolé. C'est bon, Aubrey. Je suis heureux de l'entendre. Parce que je crains qu'il vous reste pas mal de travail avant d'arriver de mon côté de la salle des machines. Évidemment. Quelle surprise. Où dois-je aller? Allez à la salle des machines locales. Vous allez devoir trouver un chemin vers l'autre côté. Merde! Les couplages de puissance d'unis! Bon, Rose, je dois régler ça. Je reviens dans une seconde. Ne vous... Ne vous quoi? Aubrey? Aubrey? Génial. Bonjour. N'empêche que ça, c'est joli. Tu auras l'escalier qui monte, machin, la luminosité qui clignote, cette ombre qui se reflète sur les barrières. Voilà. Je trouve ça joli en termes de composition. Ça rappelle grave Fontaine dans BioShock. Oui, non, mais je trouve que c'est très inspiré de BioShock. Il y a plein de choses qui sont tellement inspirées de BioShock et je trouve que du coup c'est très réussi. Bonjour. N'empêche, je remarquais que la plupart des gens sont plantés. Ils ont un couteau, ils ont des. Certains sont effectivement morts, démembrés, etc. etc. mais certains sont juste morts comme ça. Ouais. Ouais. L'environnement est grand. Nous sommes où exactement? On est presque revenu au début.
des fois ça fait... Machine Hall. On va faire gaffe. C'est comme un 2-3 soleil géant. Y'a rien qui me dit que c'est dangereux de continuer à marcher, mais... C'est incroyable comment ça joue. Je m'amuse comme un petit fou sur le jeu. J'adore ça. Le coup poupette qu'on va tuer. Faut que je coupe l'électricité. Bon appétit, effectivement, Xavier Zorien. C'est comme c'est joli avec le petit monsieur en bas à droite décédé. Vous, vous y voyez pas grand chose, c'est encore plus sombre peut-être pour vous. Ça dépend des écrans que vous avez. Soit l'y réparer, soit essayer de se cacher de quelque chose. Oh, il y a un signe là-bas. Je le vois. Est-ce qu'à la fin, ils vont me dire combien j'en ai trouvé? L'échelle est cassée, d'accord. Bah, je vais où après? Je crois avoir compris. Loupé, c'est mes bits. C'est juste pour accéder à un truc en fait. Merci beaucoup pour le cadeau. DJ, comment vas-tu? On dit plus bonjour monsieur. Bah désolé, je t'avais pas vu arriver. Non, y'a rien de plus à faire ici, hein, je vois rien. Y'a une chaîne, moi je pense que c'était juste pour repérer le machin vert. Il va falloir que je marche en ne respectant pas mes engagements. Il y avait un papier sur un poteau. Ah bon? Un papier sur un poteau. Le mec chiant de bout en bout, c'est qui tient à s'arrêter à chaque fois que le truc s'arrête. Ah oui! Alors, rapport de maintenance numéro 2318. Verdict d'inspection. Échec. Note de l'inspecteur. Je ne comprends pas comment ces liaisons tiennent encore. Ça me dépasse. Regardez-les. Les seules choses qui me les maintiennent ensemble, ce sont la rouille et la poussière. Mais ce n'est pas ce qui me fait peur. Vous savez ce qui se passe si elles n'assurent pas plus leur fonction? Tout d'abord, le panneau D12 serait en surcharge, empêchant l'égaliseur automatique de pression de recevoir des valeurs de mise à jour. Normalement, ça devrait déclencher le récepteur thermique local et empêcher la situation de s'aggraver. Mais comme le récepteur thermique est totalement absent, cela ne se passera pas comme ça. Le résultat serait une montée de pression catastrophique dans les cuves de dégagement, causant une explosion de niveau C+, et donc entre 4 et 10 morts, sur la tête de l'équipe à ce moment-là. Si vous voulez jouer avec vos vies, ayez au moins la décence de le dire ouvertement. Connard. Au Breaking. Département de technologie, division de la maintenance.
Je pense que j'ai le temps de passer. C'est voulu par le jeu? Non. Je sais pas, ça, sur le coup, ça... Je sais pas. C'est psychologiquement, ça me fait un effet dans le genre là. Ça vient d'Aubray, ouais, oh, ce fameux Aubray. Attendez, je monte. Qu'est-ce que t'es lente. Mais je trouve ça tellement beau en termes d'effet de lumière et tout. Merci le moteur Unreal. Hein. Oui, je m'amuse bien sur le jeu, donc je sais pas, ça me fait taper un délire. Bon, maintenant, on va faire l'inverse. Je peux pas passer tant que ça s'est allumé. Chose par rapport aux coupures de courant. Je croyais que vous vous en chargiez. Eh bien, il y a un petit souci avec la... avec la grande bobine de distribution électromagnétique. On dirait qu'elle... pulse. Ouais, ça ne me parle pas beaucoup, Aubray. Soyez plus clair. Oh, ce doublage. Rose, nous récoltons de l'électricité sur le temps lui-même. C'est carrément compliqué, d'accord? Essayez d'avancer et de ne pas mourir. Oh, super plan, Aubray. Votre meilleur jusqu'ici. Tu entends ça, Benny? Rose fait de l'esprit. Ah, je les aime bien, les doublages. Je trouve qu'il y a un truc qui se met en place. Mais là, ça passe pas, là. Attends, s'il y a un truc, là ça passe. Bonjour. Il semblait qu'il faisait un discours. Tout ceci est comme qui dirait un petit peu perturbant. Pardon, monsieur Aubray, j'ai fait brûler des trucs en plus. Vous m'en voulez pas, hein, dites. Y'a quoi par là? Est-ce que j'ai récupéré tous les documents? J'en ai récupéré qu'un seul. Je veux tous les documents. Tous, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Pas l'activer, celui-ci. Y'a quoi en haut? Est-ce que ça mène quelque part en haut? J'ai envie d'aller voir. Ouais, je trouve aussi que c'est vraiment top. Coucou Chirine! Comment vas-tu? Ah, il y a des gens en face. Il y a des gens en face qui discutaient. Je sais pas si je suis censé voir plus d'animation ou pas. Non, ça a peur de bouger plus que ça. Je vais essayer d'activer ce truc là ou pas. Ah, et ça avait fait boum, ça avait fait boum. Je me rappelle. Attends, ah, faut que je relance à chaque fois. Ouais. Ok, on attend. Que ça relâche. Ok, on est prêt, on y va. Vite, 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 vite. Attends, je l'ai rebaissé le truc ou pas? Ah mais oui, mais Iti, qu'est-ce que tu fabriques? Ouais, attends. Vite, 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 on vient par là.
fallait donc bel et bien que je passe au-dessus. Sans c'est bon, c'est ouvert. Merrily, 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 ba-padum, padum, badum, pum, padum, padum, pum, padum, padum. Bonjour, j'arrive. Rien de bien spécial à première vue. J'espère qu'il est pas fou, Aubrey. C'est vraiment quelqu'un qui va nous aider à nous en sortir. Oh, il y a un monsieur collé sur la... sur la bille du truc chose là-bas. Éclairage bleu, c'est joli quand même hein, ce qu'on fait aujourd'hui en jeu vidéo. Vas-y, j'y suis presque. C'est bon, c'est passé. Rose ? Vous êtes là ? Rose ? Ouais, je suis toujours là, Aubrey. J'ai traversé la salle des machines. Et maintenant ? Droit devant, c'est le contrôle de l'hydraulique et de la pression. La bobine de distribution fait surchauffer les cuves de stockage. Alors, vous allez devoir réduire la pression pour pouvoir ouvrir les portes de sécurité. Trouvez les valves. N'attendez pas à lui. En les ouvrant, vous devriez faire baisser la pression. Ok. Trouvez les vannes pour réduire la pression. Compris. Vous assurez, Rose. Vous y êtes presque. Ok. À tout de suite. Rapport de maintenance numéro 2411, verdict d'inspection, échec spectaculaire. Waouh, la capacité que vous avez à continuer à me donner des soirs est vraiment fascinante. Les câbles de transfert CAP ne sont pas censés être connectés au système de contrôle actuel. Ce n'est pas juste parce que les câbles sont compatibles qu'il faut les brancher. Les deux systèmes fonctionnent sur des fréquences totalement différentes. Ce qui veut dire que les relevés de puissance que nous avons effectué depuis la dernière inspection devront être mis à la poubelle car les valeurs ont été compromises. Comment diable sommes-nous censés faire fonctionner des Helios correctement si vous passez votre temps à nous faire foirer nos mesures? Session obligatoire de révision des câbles et systèmes ce jeudi à 9h. Nous prendrons tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que tout le monde ait une connaissance intime des connexions et des câbles nécessaires. Aubrey, département de technologie, division de maintenance. J'ai envie de m'aller, de voir ce qu'il y a partout. Qu'est-ce qui cache là-dedans? Zazaza. Là. J'ai l'impression que ce soit ultra violent en termes de... On va voir. Salut le chilien, ça va bien et toi? Quoi de beau? Mérité, Penny. Bien mérité. Aubrey ? Des années de... Aubrey ? Je sens pas trop si histoire n'empêche, hein. Il a pas l'air très... sensé comme Gugus, quand même, hein, au final. Ah, il manque un truc qui tourne. Il manque un truc qui tourne, une valve. Avez-vous vu une valve, monsieur, madame? Non. Par contre, il y a beaucoup de corps qui sont exactement les mêmes. Hein. Ça se voit pas trop parce qu'il fait sombre. Et parce que le jeu est prenant, mais quand même. Quand même, il manque une valve. Mais c'est pas la faute du confinement. Si, si, les quiches continuent à être distribuées. Il y a toujours des quiches, mais... J'ai mis ça parce que le bot rame de plus en plus. Et surtout, je le paye, le bot, en fait. Avec les quiches et les points, les machins, donc... je sais pas. J'essaie de voir s'il vaut mieux faire une transition à un moment ou à un autre ou pas, je verrai. Je suis surveillé.
Fais un bisou au Space, du coup. Nicolas va... Aubrey ? Le héros du jour, Aubrey, mais... votre... Le... votre radio ! Aubrey ? Aubrey ? Encaissez le coup et courez, de l'aide viendra. Message pneumatique. Tout le monde est mort, mais de l'aide viendra. Car c'est de la lumière que resplendira la lumière et la croix de l'aigle. Bonjour. Il me faudrait une valve. Vous n'avez pas une valve? Valve! Ah mais les parterres, espèce de quiche. Une vanne désespérée, mais tout à fait E.T. desserrée permettant de contrôler la pression de relique, elle est vieille et usée pour la rouille. On est dans le verre là, c'est bon. Voir si ça va mieux là-bas. Toujours un peu cassé là. Hein. Vous avez pas une valve quelque part ailleurs que je puisse récupérer? Où est-ce que je peux trouver une dernière valve? Vous avez pas des valves, s'il vous plaît? J'en ai besoin. On n'y voit rien, hein. Rien du tout. You les valves? J'en ai une, mais je fais pas la tourner. C'est un peu chenul, quand même. Par contre, j'ai l'impression qu'Aubrey a vraiment pété un câble. Et ça, ça me... Ça soulève des questions, quand même, à un moment donné. Toi, t'es morte. Ah, c'est bien. Merci, le chien, d'avoir transmis. Ça fait plaisir. Vous avez pas des valves, vous qui êtes mort là? Non? Même pas un petit peu? Il avait rien dans les mains. Comment puis-je faire du coup pour avoir ce qui me manque? Il y a forcément un moyen quelque part. Ah bah elle est là. Eh bah bravo Eti. Eh bah bravo hein. Vous avez réussi Rose. Mes capteurs sont tous au vert ici. Les portes de sécurité devraient être ouvertes. Un dernier obstacle à franchir et nous pourrons ficher le camp de ce bateau. Très bien. Un dernier obstacle. Qu'est-ce qui m'attend ? Alors, vous vous souvenez de cette bobine de distribution électromagnétique géante qui ne fonctionnait pas bien? C'est... Oh non. Vous savez quoi? Certaines choses doivent être vues. Venez. J'ai horreur de ces trucs. Ça, ça me fait flipper. Salut pour Danibor, comment vas-tu? Ça, ça me stresse. Ça me stresse, j'aime pas ça.
Les grosses machines géantes, c'est à la fois impressionnant et ça me plaît, hein, je suis fasciné. Mais j'ai horreur de ces trucs. Il y a deux documents que j'ai ratés. N'empêche que c'est super classe. Salut Snow, t'as déjà dit bonjour? Bah non. Ouais, bah c'est ça. Mais quelle idée, Snow! Bah écoute, tant que tu te sens bien, c'est l'important, mais quand même. Fais gaffe, après c'est la santé qui en prend le prix. Je t'ai vu. Et donc je sais pas s'il y a un méchant ou pas dans l'histoire. Oui, c'est possible, hein, je perds la tête. Mais je sais plus si je t'ai vu avant, après, ou... Une bobine qui pue, c'est tellement classe en termes d'environnement, encore une fois. Apparemment, monsieur, c'est pas bien passé. Il avait perdu un bras. Iris est morte. Même pas. Oh, on sent... de distribution électromagnétique géante. Bof. Je préfère l'appeler Fred. Fred? Pourquoi Fred? Fred? Mais d'où est-ce qu'elle sort ce prénom, Fred? Elle est paumée, cette dame. Je crois que Rose est en train de péter un câble. C'est trop bas de plafond, ça me plaît pas non plus. Oh, merde. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'abri ici. Tant que vous ne vous exposez pas directement à l'onde de choc, ça devrait aller. Ah, c'est bon à savoir. Vous devriez pouvoir me voir. Je suis dans le grand bâtiment, à votre droite. Hey, coucou! Est-ce que vous me voyez derrière la fenêtre, Rose? Bref. Vous voyez ce bâtiment en feu un peu plus loin? C'est là que vous allez trouver la commande de désactivation d'urgence. Attendez. Tout là-bas? À l'autre bout? Ouais. Vous voulez que je sprinte jusque là-bas, pendant que l'électro-machin-truc fait frire tout cet endroit? Ouais. D'ailleurs, je me disais à ce sujet, si ça vous va, je vais ouvrir la porte à gauche et aller me cacher dans un coin pendant un moment, ok? Bien sûr. J'ai pas vraiment envie que vous me criez dans l'oreille, de toute façon. Je trouve que l'interaction entre les deux est superbe. C'est toi, Fred? Alors, rapport de maintenance numéro 2412. Verdict d'inspection, échec formidable. Note de l'inspecteur. Des représentants de Warden Clive m'ont dit que d'utiliser le mot connard pour faire allusion aux membres de l'équipe de maintenance était pas en raccord avec les procédures de la société. Je passerai donc désormais de ce terme pour décrire l'équipe. Au lieu de ça, je vous traiterai de raté déficient parce que je jure que vous essayez vraiment de me les briser menu. Voici un exemple de nombreuses choses qui ont été découvertes par la dernière inspection. Fusible grillé sur le panneau numéro 122B. Goupille de sécurité fondue sur la plateforme de distribution numéro 4. Clap de haut voltage défectueux entre T3 et T4. La pompe de pression numéro 26 ne marche pas du tout, bordel. La boîte de fusible numéro 14L ne contenait aucun fusible de rechange. Juste du papier toilette. Thermostat manquant dans la cuve en 3 cuves de stockage sur 4. La pompe 34W laisse échapper du fluide hydraulique. Nombreuses valves de contrôle de pression absentes. La liste complète des problèmes est clouée à la machine à café du réfectoire. Il se peut que j'ai glissé avec le marteau en clouant la liste. Vous vous acquitterez donc de vos tâches de maintenance hebdomadaire sans votre dose habituelle de café. Vous me remercierez plus tard. Au breaking, département de technologie, division de maintenance. Bon, on y va?
faire la musique. D'accord, je vais mourir là. Ça me protégera pas, ça. Je suis où là? Je suis pas encore mort, c'est pas encore mort. Fred me laisse tranquille pour le moment. Allez, vas-y, balance tout. Tu viens? Je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je fais. Je tente des trucs à droite à gauche. Tout ce que je fais là. Voilà. C'était peut-être pas par là qu'il fallait que je meure. Ah 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 ah. Je le sentais pas. Je le sentais pas. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Non, c'est bon, je suis pas mort. Je suis pas mort. T'as vu, Gérard, je suis pas mort. Tout va bien. Tout va bien. Je ne suis pas du tout en train de prendre des décharges terribles. Ok, c'est bon. On y va, Gérard. Fonce! Fonce! Ha ha! J'y suis arrivé avant. C'est terminé? Comment je pourrais le savoir? J'ai tiré ce foutu levier. Ça a marché? Juste. Maman, je crois que vous avez réussi, Rose. Oh, Dieu merci. Je n'arrive pas à y croire, vous avez réussi. Wouhou ! Je sais pas. Je vais vivre. Vous êtes incroyable, Aubrey. Et si on fichait quand de ce maudit Rafio ? Plutôt deux fois qu'une. Prenez les passerelles en...
en métal sur votre gauche. Elle devrait vous mener jusqu'ici au centre de contrôle. Je sais que je vous ai déjà dit merci, mais ça va être bien de pouvoir enfin le faire en personne. J'arrive, Aubrey. À tout de suite. J'ai pas du tout joué. Je sais pas du tout ce qui se passe. Merci. Ça ? Ah, il y a le petit monsieur là qui me guide. C'est bien sympa les personnages qui guident comme ça sur le jeu, je trouve. C'est une très très bonne idée. Voilà, on le voit lui là. Quelque chose qui me va pas dans cette histoire là. J'espère qu'Aubrey est au courant d'une autre sortie. Je n'ai pas vraiment envie de repasser par là. Y'a un truc qui va pas là. Aubrey ? Ceci est bien trop silencieux. Est-ce que c'est normal, docteur ? Aubrey. Do you want to play with me ? Où êtes-vous, Aubrey ? Allons-y ! Mes mots du rapport de maintenance de la division, ce serait drôle s'il n'était pas aussi terriblement déprimant. Depuis mon transfert du département météorologique il y a 8 mois, je n'ai jamais eu la chance de réaliser une vérification de maintenance qui ne révèle d'aucune défaillance majeure du système. Et j'entends parler que de soucis de sécurité par-ci et de soucis de sécurité par-là. Si vous parveniez à faire trôner la salle des machines pendant toute une semaine sans nouveau désastre, nous pourrions bien être en mesure d'obtenir le budget requis pour soigner notre paranoïa de sécurité sur le lieu de travail. Pour ceux que ça intéresse, les funérailles de votre collègue Michael Jensen auront lieu mercredi à 14h. Ce sera tout. Ok, j'ai récupéré tous les documents. Qui c'est le patron? 100%. Et voilà. Où il est où? Allez, quoi, Aubrey? Partons d'ici. Pourquoi ce long silence? Aubrey ? C'est toi, Aubrey ? Aubrey ! Aubrey ? On est mort là-dedans. Ah, c'est une musique qui te met le doute, tu vois. Ah, il y a des documents. Il y a des documents à lire. She's here. Opération où Ada était piégée. Salut, Rosie. Pas laisser attendre. Mais je t'ai sauvé. Ah non, ce qu'il voulait, c'était répartir le... J'ai essayé de vous prévenir. J'ai vraiment essayé. Je suis un menteur, Rose. J'ai tout entendu, chaque mot depuis que vous êtes à bord. De votre première conversation avec Ada, au dernier mot qu'elle a prononcé. J'ai même écouté votre conversation avec Nicolas. Après, qu'est-ce que... Ce n'était pas le confinement de Tesla qui brouillait les communications avec votre sœur. Un autre mensonge. C'était moi. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a tout pris ! J'avais tout ! J'avais son attention ! J'avais son respect ! Mais... elle a tout pris ! J'étais quelqu'un à bord de ce bateau. Mais maintenant... l'heure est venue de reprendre. À commencer par ses carnets. Si vous faites ça, je vous tuerai. C'est une promesse, Rosie. Parole de scout. Que c'est mignon. Vous oubliez que, comme j'ai guidé l'énergie exotique jusqu'à votre sœur, je peux la guider jusqu'à vous. Ici même.
Vous devriez vous hâter. Ces choses seront là d'une minute à l'autre. Benny vous tiendra compagnie pendant que vous mourrez. Quant à moi, je vais les utiliser pour sauver la mise et reprendre ce qui m'appartenait. Inspirez. C'était donc bien les bien le méchant. Ah mais zut. Je suis pas en très bonne forme apparemment. La porte est pas pressée de s'ouvrir. Ah, j'ai un trou. Ah mais les morts sont violentes en plus hein. Ils y vont pas à moitié. Vers la loose et au-delà. De la vue au fur et à mesure, vous voyez. Je sais pas s'il faut que je traverse ou pas. Mais je pense qu'il faut que je traverse les nuages. Tant pis. Et si on suit pour le guidage des lumières. T'es pas un peu trop près, toi? Fermez les yeux, Rose! Fermez les yeux! On m'a dit fermer les yeux, espèce de quiche. Qui vient nous sauver? Tesla? En personne? Ça va aller. C'est Tesla. Ils sont partis. Ça va aller. C'est Tesla. Tesla vient nous sauver. Fontaine sur 20. C'est un peu dommage que ce soit si prévisible, ouais, que ce soit le mec qui soit un peu fou. Oh oui, partage-moi. Merci beaucoup, Robin du Cucu. Merci pour le partage de l'écran. J'ai l'impression que le Herman a l'air de galérer en fond. Chapitre, n'est-il pas le temps de couper la rediffusion, tiens? Les fleurs de Perséphone. C'est bon ici aussi? C'est bon. Du coup, on va couper la rediffusion ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades de filmeurs sur frappestjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Parce qu'on le vaut bien, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Allez, je reviens, on continue le jeu, j'ai pas trop envie de m'arrêter pour l'instant. Une pute Kishrain balancée par Snow que je n'ai pas lancée, on va la faire tout de suite. It's raining Kish, hallelujah, it's a raining Kish. Voilà, désolé Snow, je suis en retard. A tout de suite. Pum 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 p